Allez, je vous rejoins pour faire une ciné-review exclusive d'un tout nouveau film, enfin qui est sorti en 88, c'est Akira. Donc, 10 sur 10, hein, j'adore, il n'y a pas de problème, je conseille et tout. Néanmoins, je me permets de faire, vous savez maintenant, ce que je fais, c'est les âges. Je dis ça, c'est trop, ça, selon l'âge. C'est un peu violent quand même pour un gamin. On voit un moment deux chiens se faire tuer. C'est un gamin qui rate par la vitre de sa voiture et qui voit des chiens se faire tuer. Quoi. Il y en a notamment un qui tombe sur sa vitre. Un peu trash, ça. Un peu traumatisant. On voit également une poitrine. C'est un moment où il y a Kaori qui se fait agresser par des clowns. Enfin, vous regardez le film pour comprendre. Donc il y a des clowns comme ça qui mettent un pain dans la gueule. Bon, ça encore. Mais il lui arrache sa chemise. Peut-être qu'il l'aurait violé. Rigolez pas, parce que dans les animés japonais, ça peut aller loin. Mais, bon, Dieu merci, ils se contentent de lui mettre un pain dans la gueule. Et ensuite, ils se font casser la gueule. Pour les dessins animés, voilà. Tout est bien qui finit bien. Mais c'est un peu trash, tu vois, pour les enfants. Ouais, je vous remontre. Vous entendez ? La sera. Non, mais c'est vachement... Les musiques sont géniales. Les musiques de ce dessin animé sont d'anthologie. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lisez le manga, par contre. Avec les musiques d'ambiance, hein, je suis d'accord. Mais c'est parce que franchement, ils font un très beau travail, c'est des japonais. Donc l'animation, les graphismes, la musique, l'ambiance, machin, les scènes sont magiques. J'aurais pu vous faire le moment quand il dit Nolinaiga, tais-toi. Genre, quand il fait Astro Style, le début. Le début, quand il y a la musique comme ça qui arrive, et tu sais qu'on voit Neo Tokyo, magnifique. Moi, j'adore Tokyo, vous savez. Mais Neo Tokyo, c'est magique. Je baisse le son pour qu'on se retrouve entre. Oh, Marc, non, je manque le son, vous avez raison. Et sinon, les musiques sont géniales. Hein. Les musiques sont géniales. Je pourrais tenir comme ça, qui n'a pas écouté l'OST d'Akira en faisant autre chose, en lisant le manga par exemple. Donc, le manga, il est vraiment bien. Souvent, il y a des puristes qui critiquent le dessin animé en disant « Oh, le manga, il est mieux !» Ouais, d'accord. C'est comme si tu disais que le manga de Dragon Ball ou de Hokuto no Ken, le manga de Hokuto no Ken, il est mieux que l'animé, si tu vas par là. Mais simplement, t'as les seiyuu, t'as la musique, t'as la docteur, l'animé est mieux que le manga. Oui, mais bon, le manga, ils sont super bien dessinés, tu vois. Il y a ce côté très... Il faut lire le manga de Hokuto no Ken aussi. Bon, pardon. On parle de... On dit d'Otomo là, oui, parce que c'est un manga d'Otomo. Hein. Ça, j'ai oublié de le dire. Ouais. Katsuhiro Otomo. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Je sais pas. L'OST, je vous en ai parlé. Ouais, l'OST est génial. Alors, attendez, j'ai envie de faire écouter une autre. Dolls, allez, une petite Dolls. C'est la 7e image, elle s'inspire de vos carnages, je crois que c'est ça la chanson de Shuriken. Bref, passons. Ce que je voulais dire, c'est la 27e image? Je sais plus. Enfin, c'est une image. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais juste sortir faire du sport un peu. Un exercice pour... Ah oui, putain, j'ai oublié de vous dire. C'est vachement important. C'est que Akira... Non putain, j'aurais dû centrer cette vidéo sur ça. Bon, tant pis, voilà. Akira, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que les voyous, les pas voyous, les policiers, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. D'accord ?
On a vu des gilets jaunes se prendre des flashballs dans la gueule parce que les impôts, machin. Bah, dans Akira, on les voit. On voit. Bah, la police est un peu plus violente quand même dans Akira. Hein, parce qu'en France encore, on leur dit non, s'il vous plaît, faites pas ça. Alors voilà. On leur dit allez-y, tabassez les gens. Et ça revient à ce que je disais sur la violence. C'est un peu violent. Mais c'est pas. Voilà, c'est pas fou, hein, c'est violent. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Je viens de voir que la caméra, je l'ai mise légèrement de travers. Je pourrais faire ce qu'il est. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne journée plutôt. Ciao.